Bonjour à tous. Je vous souhaite tous mes meilleurs voeux d'abord pour ce nouvel an. Je me présente, Dr Ousmane Amadi Issa. Je suis chirurgien, chirurgien généraliste, mais j'ai été formé à la chirurgie réparatrice à l'hôpital Saint-Louis de Paris chez Monsieur Servan. Et depuis un peu plus de 20 ans, j'ai quand même travaillé sur la prise en charge du NOMA en général avec ceux que je peux appeler les pionniers à la matière au monde, notamment Jean-Marie Servan, le professeur Jean-Marie Servan, le professeur Brigitte Cuité, le professeur Dominique Martin, le professeur Jürgen Holle et actuellement le professeur Andrea Smith avec lequel on travaille beaucoup. Donc, depuis 2015, je suis le directeur médical de l'ONG Sachin Nouma et le directeur de la clinique Nouma où on prend en charge les séquelles de Nouma. Notre travail en fait ici à la clinique Nouma consiste à la prise en charge du Nouma en général, à la phase de séquelles, mais surtout la prise en charge chirurgicale des séquelles de Nouma. Et comme vous le savez, cette prise en charge est vraiment spécifique à tout point de vue. Ce qui engendre plusieurs défis à relever. Tout d'abord, je peux dire que le premier défi est lié aux patients eux-mêmes. Comme tout le monde le sait, le NOMA, c'est une maladie, comme on l'a eu à le dire plus haut, qui survient chez des enfants. L'âge de ces enfants peut constituer un défi à pour plusieurs raisons. Donc, c'est des enfants qui sont en phase de croissance. L'âge de prise en charge peut poser un vrai défi. À quel moment il faut les opérer? Il y en a qui préconisent l'âge d'aller à l'école. Pour nous, il faut pratiquer cette chirurgie le plus tôt possible pour notamment permettre à ces enfants d'aller à l'école assez rapidement. D'autre part, la préparation à cette chirurgie peut être un vrai challenge du fait que ces enfants arrivent très souvent dans un état général très altéré. Donc, il y a un vrai travail de préparation à la chirurgie qui doit être réalisé en amont. D'autres défis sont liés à la maladie elle-même. Comme vous le savez, le NOMA peut engendrer des pertes de substances très importantes au niveau de la face, d'où la nécessité de plusieurs interventions, souvent étalées dans le temps. Je peux vous donner l'exemple de patients que j'ai vus et qu'on a pris en charge dès l'âge de 2 ans et dont on a terminé la prise en charge à l'âge de 18 ans. Et souvent, le défi, c'est de pouvoir retrouver ces patients entre les interventions, surtout lorsque les parents vivent dans les régions frontalières et ils peuvent, en fonction des années, en fonction des saisons, passer de part et d'autre de nos frontières. Un autre problème est lié, donc ce problème de suivi des patients jusqu'à la fin de la prise en charge chirurgicale peut poser problème. D'autre part, techniquement, il faut savoir que justement, du fait de l'âge de nos patients, il peut y avoir beaucoup de défis à relever. Et notamment, le premier problème, c'est des chirurgies souvent très lourdes qui doivent intervenir chez les enfants. Donc, le premier challenge est lié à l'anesthésie. Des enfants qui doivent être opérés souvent pendant plusieurs heures d'affilée, les interventions peuvent durer entre 4 heures et 12 heures de temps. Donc, il est impératif, comme vous pouvez le noter, que ces interventions, donc l'anesthésie se passe dans de très bonnes conditions pour que le patient puisse se réveiller dans de très bonnes conditions aussi. Et un autre défi majeur lié à l'anesthésie, c'est même l'intubation. Comme vous le savez, le NOMA engendre très souvent
un trismus. Donc, c'est des patients, des enfants qui ne peuvent pas ouvrir la bouche, d'où la nécessité d'une intubation par nasofibroscopie. Ce qui est une intubation assez difficile, il faut des anesthésistes entraînés et il faut avoir le matériel adéquat pour le faire. Bon, heureusement, nous ici, au niveau de la clinique Nouma, on a des anesthésistes locaux formés par des collègues occidentaux qui arrivent en toute autonomie actuellement à faire ces intubations difficiles. Et en plus, au niveau de la clinique Nouma, on dispose de nasofibroscopes et tout le matériel adéquat pour ce type d'intubation. D'un autre point de vue, donc, comme je le disais, c'est par rapport aux patients, c'est souvent les interventions que nous faisons sont, peuvent nécessiter la pose de ce qu'on appelle des distracteurs, ce qui peut être contraignant. Donc, le distracteur, c'est lorsqu'on arrive à obtenir une ouverture buccale suffisante, on maintient cette ouverture buccale avec un distracteur que l'enfant doit porter souvent plusieurs mois, et vous comprenez avec moi, vous conviendrez avec moi que ce n'est pas évident chez les enfants. Et souvent, l'intervention consiste uniquement à la pose de ces distracteurs pour faire une ouverture, pour obtenir une ouverture buccale de manière progressive, en faisant une ouverture progressive, et cela peut aussi nécessiter plusieurs mois, ce qui n'est pas évident chez les enfants. Et un des défis majeurs aussi, c'est le type d'intervention. Dans les cas de perte de substance très importante, on a recours actuellement à des lambeaux libres. Puisqu'au niveau local, il n'y a pas assez de tissu pour couvrir les pertes de substance, donc on va chercher ailleurs, donc au niveau de la cuisse, par exemple, dans le cadre d'un lambeau antérolatéral de cuisse, au niveau du dos, dans le cadre d'un lambeau parascapulaire avec ou sans os. Donc, d'où ce qu'on appelle la relation de lambeau libre. Qui dit lambeau libre dit avoir recours à la microchirurgie. Et ça, c'est un vrai défi. En mission, déjà, il y a beaucoup de praticiens qui sont réticents par rapport à la réalisation de lambeau libre. Par rapport à, très souvent, pas la réalisation technique, mais le suivi post-opératoire. Ben, heureusement que depuis un certain nombre d'années, au niveau de la clinique Nouma, nos équipes sont vraiment entraînées par rapport à cette prise en charge post-opératoire, à ce suivi post-opératoire lorsque ces types de lambeaux sont réalisés. Mais aussi dans la réalisation de ces lambeaux libres, il faut évidemment posséder des instruments de microchirurgie, des loupes pour la réalisation des anastomoses ou des loupes ou des microscopes. Bon, au niveau de la clinique Nouma, nous utilisons beaucoup plus des loupes, bien que nous disposons d'un microscope, effectivement, pour la réalisation de ces micro-anastomoses. Un des grands défis aussi, c'est effectivement le suivi post-opératoire. Lorsque, je l'avais noté plus tôt, lorsque les patients ont un distracteur. C'est vraiment très, très, très difficile de faire accepter à ces enfants, mais on y arrive heureusement de porter ces distracteurs lorsque ces interventions sont réalisées. Et l'autre défi, c'est la rééducation. La rééducation post-opératoire, il faut savoir que très souvent, ces patients ont un trismus, et quand on arrive à lever ce trismus, à intervenir, à couvrir la perte de substance, il est nécessaire d'avoir une équipe entraînée pour la physiothérapie. Dans le cas contraire, on peut assister à beaucoup de récidives, ce qui peut être donc assimilé à un échec par rapport à la prise en charge. Donc, il est impératif, et ça, c'est un défi aussi majeur, d'avoir une équipe de physiothérapeutes derrière ou un personnel entraîné à la physiothérapie pour pouvoir
faire une prise en charge post-opératoire adéquate en vue d'éviter ces récidives. Donc, tout cela constitue, je pense, un certain nombre de défis majeurs liés à la prise en charge chirurgicale des séquelles de NOMA. Heureusement que de plus en plus, les équipes arrivent à comprendre et à réaliser des techniques assez élaborées de prise en charge, notamment donc pouvoir réaliser des lambeaux libres dans nos pays, puisqu'il faut savoir qu'auparavant, du fait de la complexité de ces prises en charge, les patients étaient systématiquement envoyés en Europe, notamment à l'hôpital universitaire de Genève. Beaucoup de nos patients et de nos compatriotes sont allés là-bas dans le cadre de leur prise en charge, ce qui peut être très contraignant du fait que j'avais dit déjà plus haut que la prise en charge peut nécessiter plusieurs interventions et être étalée dans le temps. Donc, vous comprendrez avec moi que le fait que les enfants restent plusieurs mois en Europe et reviennent après pour rejoindre leur village peut être problématique. Donc, actuellement, on peut, dans de très bonnes conditions chez nous, réaliser toutes ces interventions. Il faut savoir que les lambeaux libres actuellement, quand on compare, avec le recul que nous avons, nous pouvons dire qu'il n'y a pas plus de complications lorsque ce type d'intervention est réalisé que dans des interventions beaucoup plus simples. Donc voilà, en grande partie, ce que je peux dire par rapport aux défis que nous avons à relever dans le cadre de la prise en charge chirurgicale des séquelles de NOMA. Donc, tout en vous souhaitant une très bonne conférence, je vous réitère tous mes meilleurs vœux pour ce nouvel an, en espérant que cette pandémie pourra être vaincue pour cette année et qu'on puisse se retrouver physiquement une très prochaine fois et discuter de la lutte contre ce qui constitue vraiment un fléau dans nos pays. Je vous remercie.